Ça fait presque deux semaines qu'on est dans les Bahamas, à Green Turtle Key. Mais là, c'est l'heure de lever l'ancre puis de descendre vers le sud. On se dirige vers une ville qui s'appelle Marsh Harbor, l'une des plus grosses villes des Abacos, à environ 25 000 nautiques d'ici. C'est là-bas qu'on dépose notre équipier Tom pour qu'il prenne l'avion puis qu'il retourne voir sa famille. Puis en même temps, c'est le fun parce que ça fait quand même longtemps qu'on a envie d'aller visiter cette place-là. Marsh Harbor fait partie des grandes villes touchées par l'ouragan Dorian en 2019. Ils sont toujours en reconstruction à ce jour, puis on a envie de voir comment ça avance. Puis en même temps, si on peut encourager les nouveaux commerces, on est bien contents. So right now we are in Marsh Harbor. My plane leaves from here tomorrow morning at 10:30. I'll catch a cab here and then fly back to the States. You know, I learned so much. In some ways I don't know where to begin. I learned a lot from watching the two of you on the boat and how you managed it. I learned a lot from sort of Elwha was really helpful in sort of guiding me through the steering and the navigating and the way that he thinks about navigating and passage making, and that was really helpful. So what did you think about the Gulf Stream? The Gulf Stream was beautiful. It was just beautiful. The weather that we had was good, so that it wasn't scary. I got a feeling for how it could get scary, and I know to some degree what to look for to avoid that. But I also got a feeling, I mean, most of my navigating has been really close to land. And one of the things that was really helpful to sort of get a sense of is how the ocean changes as you move away from land. And just the fact that it changes all the time. And sort of seeing how some of those changes happen, maybe seeing how the waves lengthen out a bit, seeing how the rhythm of the water movement in the ocean is really different than the rhythm of water movement close to shore, where it's shallower, it's just more frenetic, it's sort of less, it's maybe more powerful, but less short and choppy or something like that. I don't know. So the Gulf Stream, it was nothing like I expected. I don't know what I expected. I didn't expect it to be that blue. But it was not at all like I expected. I guess you might be excited to see your family now. I'm really excited to see my family. Nothing against you. but I'm really excited to see my family. It's been 2 weeks. That's a long time for us to be apart. And I'm really looking forward to seeing them. I have to say, it was really nice to have you on board. It was. You are our first crew ever, and we're looking forward, you know, to have a crew. You were participating all the time on our boat, and you were a perfect crew. Like, if we can have many people like you, we'll be happy. Well, you were wonderful hosts.
it was just a great experience. En ce moment, nous sommes à l'épicerie, potentiellement la moins chère du restant de notre voyage dans les Bahamas. Fait qu'on fait juste un peaufinage de notre, on va dire notre stockage dans le bateau. Ouais. Fait que on regarde à peut-être environ un panier d'épicerie rempli. On espère pas plus. Puis c'est ça. On a plus de produits frais non plus. Ça fait comme 10 jours qu'on est parti de Floride. Ça fait 10 jours qu'on est en dehors du Bahamas. Ça fait 10 jours qu'on n'a pas dépensé une scène. Ouais, ça fait 10 jours qu'on n'a pas dépensé. Ça, c'est la chose la plus haute. Fait que là, faut qu'on se rattrape. C'est vraiment une belle épicerie, en fait. Ouais. Puis c'est vraiment pas loin de l'ancrage. C'est à peu près à 10 minutes à pied. Puis on va prendre un taxi pour revenir. Parce qu'on va avoir sûrement trop de sacs. Ou peut-être qu'on va être correct. On va être correct. Chris, il me regarde, il me dit on va être correct. Fait qu'on va être correct. Un sac par quoi? Moi j'en ai 10. J'en avais 10. J'en avais 10, on peut avoir 30 sacs. 70-80 par semaine déjà. On calcule en général. C'est pas une bonne place pour jouer vraiment. Non. Jouer dans plein d'autres affaires. Oh, l'aliment. Puis moi je suis chanceux, je fais juste traîner des oignons. Thank you.
On a l'habitude de voir des plages paradisiaques. Mais il n'y a pas un endroit dans le monde qui est parfait. Aujourd'hui, Marsh Harbour redevient en vie de jour en jour. La flore reprend son cours parmi les branches brisées. On entend des coups de marteau un peu partout. Des gens qui reconstruisent. Les essentiels sont disponibles, comme l'une des plus belles épiceries des Bahamas. Une station de gaz, un hôtel, un liquor store, restaurant, marina. Tout est à refaire. Hein? Mais le travail accompli jusqu'à maintenant est marquant. Des maisons inondées par l'eau, puis détruites par le vent. Puis nous, on flotte au milieu de la baie comme ça, en nécessité de vent pour avancer. On est chanceux sur nos petits voiliers. Ouais, quelque chose de cool, c'est que en marchant, on a fini par s'apercevoir qu'il y avait un spot ici à Marsh Harbour où ce qu'il y avait, c'est comme un camp de volontaires. C'est le fun parce qu'en fond, ils sont là pour aider à reconstruire. En ce moment, ils sont en train de travailler sur la reconstruction de l'école de Marsh Harbour. Puis ils pensent avoir terminé bientôt. Ça, c'est cool. Quelque chose que j'ai trouvé le fun à savoir, c'est qu'ils payent des Bahamiens, des locaux, pour qu'eux aussi reconstruisent en fait les maisons tranquillement, tu sais. Puis on leur a posé quelques questions à ces gens-là, on leur a demandé, tu sais, c'est quoi, est-ce que les gens ont l'électricité, est-ce que les gens y ont accès à l'eau? La réponse c'est oui, ils ont accès à l'électricité puis à l'eau. Puis une autre question qu'on se demandait, c'est « OK, mais est-ce que les gens vivent ici? Les maisons sont toutes détruites. » Quand on regarde autour de nous, ce qu'on a fini par comprendre, c'est que les gens, en ce moment, ils ont déménagé, ils sont rendus sur les îles avoisinantes, comme par exemple Green Turtle Key. Green Turtle Key, c'était là qu'on était la semaine dernière. Les locaux, ils ont comme déménagé sur d'autres îles avoisinantes en attendant. Puis ils prennent des traversiers pour venir travailler à Marsh Harbour. Mais ça reste qu'il y a quelques maisons qui sont vivables aussi, là, ça c'est certain. Quand ça fait 2 ans qu'une ville a été détruite par un ouragan, on a tendance à oublier, penser à autre chose. Mais je trouve ça le fun de voir qu'il y a des gens qui sont encore là pour aider. Alright! OK, fait qu'on va chercher de l'eau à cette heure. Ouais, là, on s'en va, là. Il y a comme une fenêtre météo pour s'en aller d'ici. Potentiel. Potentiel. C'est quoi le plan? Le plan aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver un spot pour remplir l'eau. Parce que ça fait 15 jours qu'on n'a pas rempli l'eau. Puis on est à moitié. Fait que en tant que tel, faut qu'on remplisse 50 gallons aujourd'hui si on veut remplir nos tanks au maximum à nouveau. On va essayer de trouver un spot pour remplir ça. Puis, à part de ça, on va acheter du rhum aussi. Il faut qu'on achète du rhum. Parce que ici, il n'est pas trop cher. Encore un approvisionnement à faire. Ce rhum-là, Castillo. Ouais, c'est le moins cher. Puis, il est bon. En tout cas. Ben correct. Si tu le mixes, là. Il est bien correct. Très ouais. Correct.
c'est ça. Ici, c'est ça, hein? C'est ça qu'on fait. Au Bahamas, on n'achète que du rhum. Puis des fois, une petite bière de temps en temps. Mais c'est le rhum qui est pas cher. Que si on veut rester low budget, that's the trick. Bon, je vais me brosser les dents. Merci à vous tous d'avoir écouté la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime puis à vous abonner à notre chaîne puis suivez-nous la semaine prochaine alors qu'on visite une nouvelle île. Sinon, je tiens à remercier nos Patreons qui nous encouragent à toutes les semaines. Merci d'être avec nous. Merci aussi à Didier Michel, Famille Bébé Lala, Marcel Lavoie, Louis Fontenot et Patrick Bourassa qui sont nos nouveaux contributeurs Patreon. Bienvenue parmi nous. À bientôt tout le monde!